un pays toujours en construction. C'est-à-dire que le pays, c'est tout en chantier. Ah! Ah! C'est-à-dire que s'il y avait le genre de chantier ici au Cameroun, non, non, parce que notre pays est loin. Et puis, je dis que ça fait depuis combien d'années? 2000 combien? 2009! C'est-à-dire que ça fait 2009 que je viens dans ce pays. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a tous les chantiers. Regardez comment on a dévié la route là-bas. Parce qu'il y a le chantier, toujours en chantier. Ah, vraiment, si on avait travaillé comme ça dans notre pays. Vraiment, les gens sont, obligés de se vanter avec leur visa. Là, oui, c'est normal que les grands entre eux s'associent. Hein. Non, franchement, les gens vont tout dire que wow, les pauvres, les riches n'aiment pas les pauvres. Mais le riche fait quoi avec un pauvre? Le pauvre, c'est un malhonnête. Mais oui, le pauvre, c'est un malhonnête. Mais vous-même là, vous voulez que le riche fasse quoi avec un pauvre? Les gens sont travailleurs. Chez vous, vous êtes paresseux. Attendez. Si vos leaders ne travaillent pas, c'est à cause de vous. Vous ne les mettez pas, vous ne les mettez pas sous pression. Regardez, regardez, regardez la route. Tu t'es mis sur la route. L'Indonésie que nous on a aidé hier. Et quand je vois ça vraiment, j'ai les mots de tête. Je ne sais pas ce qui m'attire au Cameroun chaque temps. Vrai, 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 vrai. Tu te demandes que, mais tu pas fait quoi dans la poussière? Tu peux faire quoi là-bas quelque part où, malgré tout l'angle, tu te bats. Tu es crasseux. Regardez. Regardez vous-même. Non, parlons, frère. Ne venons pas ici insulter les gens. Bah, vous êtes nombreux là, vous êtes venus là. Non, il faut une fois caler là-bas. Mon frère, nous sommes tous des Camerounais. Tout le monde a besoin que son pays soit beau. Regardez, voici un pays que hier, quand j'étais ici là, il n'y avait pas toutes les stations ici là. À l'époque, c'était les busways. À l'époque, c'était les petits trucs comme ça là. Pour accueillir les bus. Aujourd'hui, c'est devenu la station de métro. Mais attendez, mais quand même, à moins de 20 ans, et vraiment, dis donc, il y a des gens qui ne doivent même pas laisser me voir parce que quand ils vont, ça là, ça les plaît, mais ils sont aigris. Il faut que je l'enlève une fois. Tu vois, prochainement, tu vas aller créer notre compte. Dis donc. Vraiment. Regardez-moi un pays, l'Indonésie, mon frère. Nos amis, nos frères, on a commencé ensemble. On a eu l'indépendance. Parce qu'ensemble. Mais oui. Peut-être ils ont eu peut-être quelques années avant nous. Mais regardez là où. Regardez. Il n'y avait pas tout ça. Au nom de Dieu. Voilà la station de métro. Et il n'y avait pas tout ça. Oh. Il n'y avait pas tout ça. Regardez la station de métro. Il n'y avait pas tout ça. Tu te demandes comment. Les gens ont créé l'espace comment pour faire ça. Ils ont construit. Ils n'ont pas diminué la route. Ils n'ont rien diminué. Voilà. PK8. Voilà Ndokoti. PK17. PK21. Jusqu'à aujourd'hui, on a cassé les pauvres Camerounais. On a cassé les pauvres Camerounais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien fait. Les Camerounais dorment à la belle étoile. Donc, sans compter ceux qui sont suicidés, sans compter ceux qui ont eu les AVC, on n'a encore rien fait. Alors qu'on avait cassé pour dire, on veut développer cette route-là. On va agrandir cette route avant la CAN. La CAN est arrivée. La CAN est même passée. Même les stats, on n'a pas fini. Mais vraiment, vous-même les Camerounais, vous-même, dites-moi. Est-ce que c'est normal? Chaque peuple mérite son dirigeant. Hein? Ah oui. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Donc il faut qu'à un moment là, on arrête de pleurer que non, vraiment, on s'en fout de leur pays. Mais c'est normal. Les gars ont versé le sang. Les gars ont versé le sang pour être indépendants. Les gars ont versé le sang pour construire leur pays. C'est normal qu'ils se vantent avec leur pays. C'est normal qu'ils sont jaloux. Comment tu veux que quelqu'un qui a souffert pour construire sa chose t'offre les visas n'importe comment? Hein? Comment tu veux ça? Quelqu'un a souffert. Éduquer ses enfants. Toi un peureux. Tu es resté chez eux. Et tu veux qu'on te donne le visa facilement. Mais non, ça ne peut pas marcher. Bah, regardez la station aussi là. Regardez. Ça c'est les choses qu'on a conçues devant. Mais dis donc. Mais Jakarta, oh, l'Asie, oh. L'Asie, oh, Seigneur. Allez. C'est comme l'aéroport. Bon, vraiment, je suis jaloux. Hein? C'est vrai. Le pauvre finit par devenir aigri. Non, la famille, vrai. Le pauvre finit par devenir aigri.
Mais le pauvre derrière finit par devenir aigri. Puisqu'il n'a rien à perdre. Et les gens se consolent avec. Ton père fait les erreurs dans sa vie. Aujourd'hui, tu en veux à ton oncle. Mais celui que tu dois en vouloir, ce sont tes parents. Mais oui. C'est devant nous tous que la France vient. Elle vient devant nous. Elle signe les contrats. Après, elle porte, elle part avec. Mon ami, tu l'en veux. Mais attendez, tu dois en vouloir à ton père. À ton père. Pourquoi, papa, tu les donnes assez de contrats? Pourquoi tu les laisses aussi autant de facilité? Papa, pourquoi toi, tu ne peux pas te soigner dehors? Elles sont normales quand même. Soyons normales. Hein? En 2023, il y a des enseignants. Les enseignants qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas encore intégrés. À nos jours d'aujourd'hui, en 2023, dans le monde entier, un enseignant qui devait être comme un demi-dieu, celui-là qui donne l'éducation, celui-là par qui tout le monde est passé, l'enseignant est marginalisé au Cameroun. L'enseignant est marginalisé au Cameroun en 2023. En Corée du Sud, ici, là, l'enseignant, c'est un dieu. En Indonésie, on les appelle maître, gourou, le maître. On les construit les maisons, on les donne. Mais oui, c'est le métier le plus noble du monde. Mais oui, c'est le métier le plus noble du monde. Mais hélas, 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 hélas. Hélas, trop de méchanceté dans notre pays. Voici des peuples, je vous dis bien que voici des peuples. Ils vivent. C'est-à-dire, nous on dit qu'on est mélangés chez nous. Nous sommes mélangés. Est-ce qu'il y a une différence physique entre un homme de l'Ouest et un homme du littoral au Cameroun? Est-ce qu'il y a une différence entre un nordiste et un gars de l'Est? Est-ce qu'il y a une différence? Hein? À l'Ouest? Mais oui, 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 mais oui, ils ont les casques. Ils ont les casques, oui, on n'interdit pas. On n'interdit pas ici, mais on a les casques. On peut tout accepter. Mais juste bien à orienter. Mais oui. Ici, là, il faut, voilà les motos. Nous sommes au cœur de Jakarta. Ça, c'est le cœur de Jakarta. Le seul endroit où tu ne verras pas les motos, c'est là devant. Voilà. C'est là quelque part devant, là. Là-bas, c'est encore le cœur de Jakarta. Le cœur de Jakarta. Parce que là-bas, facilement, tu peux marcher à pied. Tu peux garer ta moto, tu marches à pied. Regardez un pays comme ça. Vous dites que vous avez les tribus au Cameroun. Vous n'avez que les tribus. Et vous toujours vous ressemblez. Il y a quelle différence? Tu vas aller à l'Ouest, tu vas voir les personnes tellement brunes. Mais oui. Tu vas aller à l'Ouest, tu vas voir les personnes brunes. Les personnes brunes. Tu vas aller au littoral, tu vas voir les mêmes personnes. Tu vas aller au centre, tu vas voir les mêmes personnes. Tu vas aller au Grand Nord, tu vas voir les mêmes personnes. Mais ici là, ils ont les Chinois. Ici, ils ont les Papouas. Ici, ils ont les Zambones. Les Zambones. Ici en Indonésie toujours, ils ont les Malais. Les peuples qui n'ont rien à y voir ensemble. Ils ont les Indiens. C'est-à-dire les Hindous. Mais regardez comment ils ont conçu le pays. Attendez, mais l'incarnation du mal, c'est pas au Cameroun par hasard. Non, dites-moi, l'incarnation du mal, là, ce n'est pas au Cameroun. Le mal n'est pas quelque part né au Cameroun. Parce que le temps passe, ce n'est que le mal. Regardez ce qu'un footballeur peut pondre. Quelqu'un qui porte l'équipe nationale. Quelqu'un que tous les Camerounais cotisent pour les payer. Quelqu'un qui a l'onction de la patrie. Quand vous êtes au stade, là, vous ne vous appartenez plus. Tu n'appartiens plus à ta famille. Je m'adresse à ces personnes qui disent que non. Pourquoi vous voulez, il a dit, mais attendez, mais la vérité existe. Mais la vérité ne te demande pas de dire en public certaines choses quand tu portes le vert ou le jaune. Mais oui, c'est interdit. Tu ne dois pas tenir certains langages. C'est interdit. Et ça continue. Ce n'est pas de sa faute. C'est ce qu'on a éduqué avec. Regardez, on doit en vouloir ses parents. On doit en vouloir sa mère. On doit vouloir son père. Regardez. Hein, regardez-moi quelqu'un comme ça là. Peut-être quand quelqu'un parle, tu penses que c'est un mignon garçon. Lui-même là, tu sens qu'il sort d'une game. Il ne ressemble à rien lui-même. Voilà les gens à qui on confie notre destin. L'Afrique est partie. Nous sommes mal partis. Wallah bilay. Regardez un pays comme ça là.
Il y a des. C'est-à-dire que tu vois un Indien, un Hindou là, il est noir comme toi, lui que toi-même. Mais il est Indonésien. Tu vois un Chinois. Hein? Tu vois un Chinois, il est Indonésien. Tu vois un Papouas, un noir de la Papouasie. Il est là. Il s'entend, il construit le pays. Tu vois un Malais. Mais ils construisent le pays. Donc tout c'est l'amour, les gars. Avec notre mauvais cœur là, la fille ne peut pas avancer. On est trop méchants. Avec le temps, je me rends compte que l'homme noir africain, surtout le Camerounais, la haine, les autres ont compris que non. Regardez des pays comme le Kenya. Tu vois les Indiens. Après, on dit que non, on se préfère. Voilà la Côte d'Ivoire qui est en train d'avancer. Avec les Libanais qui sont Ivoiriens. Ils sont intégrés. Je suis sûr que si les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, étaient au Cameroun, c'est qu'ils ont là les problèmes. Parce que le Camerounais, c'est quelqu'un que, dès lors que tu n'es pas de chez lui et que tu fais peut-être une erreur, il va profiter de ça pour te salir. Pour te salir. Le typiquement Camerounais. Non. La méchanceté, la haine. Tout doit venir que de lui. Et ça vient de quelqu'un d'autre, il peut faire que les autres meurent. Regardez pendant Corona. Regardez bien pendant Corona. Nous on a vu, non? Le MSC veut faire les dons, les kits. Mr. Justice, how are you? Yep. Are you okay? I'm very far, you know. I'm in Sudiman. Okay. So I have the money with me, so I don't know how to do. So I think maybe tomorrow I can give you the money. Yeah, I have the money with me, but I don't know how to do. So it's better we meet tomorrow. Okay. So when I come back home, I will call you. Okay, thank you too, Mr. Justice. Yep. Ah, désolé. Non, franchement, c'est que j'ai ça même. On va avancer comment dans notre pays? Donc, dites-moi vous-même là. Avec la mentalité qu'on a là, on va avancer comment? On va avancer comment? On est divisé. Les frères de même famille ne s'entendent pas. Non. Les frères même père-mère ne s'entendent pas. Les soeurs même père-mère ne s'entendent pas. Non. Moi, dans ma vie là, moi, si j'avais mon frère, mon grand frère, mon petit frère, qui a réussi là. Non. La manière que je vais le suivre à la loupe. Dieu, et c'est pourquoi Dieu ne donne pas toujours ce que tu désires dans la vie. Mais oui, l'exemple a montré. Je connais mon frère, oncle, père, son âme. Attendez, le fait seulement qu'il avait réussi, la manière que je parlais de lui, tu pourrais croire que c'était mon père. Alors qu'il ne m'a jamais rien donné. C'est quelqu'un qui pourrait seulement prendre même sa carte de visite, c'est bon, là. M'envoyer chez un commerçant. Mais mon ami, c'était un haut commis d'État. Mais la manière que j'étais content quand j'étais à côté de lui, les gens me demandaient, mais celui-là même pas fait quoi, chaque temps. Hein. Alors qu'on ne lui donne rien là-bas. Mais c'est ça, pour moi, c'est l'amour, quoi. Je suis fan de ce qui est bien. Mais oui. Je suis fan de. Souvent quand je suis au Cameroun, là, quand un fan arrive au Cameroun, là, souvent la majorité, souvent je les amène à la maison pour manger. Je suis content. Je suis content parce que réussir n'est pas facile, mon frère. Bon, si c'est facile, alors non. Va ramasser la réussite dans la rue, alors on voit. Comme pour toi, réussir est facile. Quand c'est facile, va alors ramasser dans la rue, on voit. Va ramasser la réussite dans la rue. Mais oui, va ramasser alors. Ça veut dire que la vie, c'est la chance, non? Ok, toi, tu n'as pas la chance. Donc, respecte ceux que Dieu a bénis. Ça, c'est ma philosophie. Respecte les gens que Dieu a bénis. Mais nous sommes dans un pays que non, on mélange tout. Non, on mélange tout. Il faut laisser ça, mon frère. Même la grâce de Dieu, il faut remercier. C'est pas tout le monde qui a la grâce de Dieu. C'est pas tout le monde qui a la grâce de Dieu. Oui, nous sommes tous les êtres humains. Mais on n'a pas les mêmes missions, mon frère. On n'a pas les mêmes missions. Tu vas faire comment? C'est ton frère même. C'est ta soeur même. Mais vous n'avez pas la même chance. Vous n'avez pas les mêmes missions. C'est clair. Alors, c'est sûr que voilà. Hein?
mon frère, il faut laisser dedans. C'est ça qui me wanda. Voilà un pays comme ça là. Ils ont les Chinois entre eux. Ils ont. Le Chinois était même gouverneur à Jakarta. Le Chinois. Vous croyez, quand on est là-bas au Cameroun, on pense que non, ils sont même. Non, ils sont pas même. Il y a une grande différence entre les Chinois et eux. Voilà, il y a une grande différence entre les Chinois et eux. Voilà, c'est quand tu es ici là que tu connais, tu les distingues. Voilà, il y a une grande différence entre les Chinois et eux. Hein? Ouais, il est là pour. Ils sont en train de traverser, non? C'est l'escorte. Ici là, tu peux payer les frais. Hein? C'est un service payant. Les hommes d'affaires là, tu prends l'escorte et on t'escorte. Oui. On a fait ça une fois quand un Camerounais se mariait. Oui, c'est ça on dit le développement en fait. Regardez comment on dit quand on parle du développement. Quand il y a développement dans un pays, ça donne les opportunités à tous les enfants. Regardez notre soeur camerounaise. Notre soeur du Nord. Regardez comment, grâce au match Cameroun-Burundi, regardez comment on est parti la copter là-bas. Et ça fait vivre le pays. Si on pouvait avoir les événements comme ça constamment dans les pays, si on pouvait développer le tourisme dans notre pays, mais tout ça, il n'y a rien dans ce pays. Mais oui, il n'y a rien. Voilà pourquoi le Camerounais puis s'épanouit dehors. Le Camerounais réussit mieux dehors que chez lui. Mais oui, il faut dire la vérité. Parce que c'est les opportunités. C'est les opportunités. Parce que quand votre pays est développé, ça attire les gens. Les gens de venir. Ça attire les grandes personnalités. Il y a des gens qui peuvent venir au Cameroun. Tu peux assurer leur sécurité. Tu peux pas. Tu vas assurer leur sécurité. Tu vas assurer leur sécurité comment? Surtout ces dernières années-là. Il y a même des superstars qui ne peuvent pas venir au Cameroun. Parce que ça va coûter cher. C'est un budget. Mais c'est un budget. Et plus il y a des personnes qui viennent dans un pays, le pays est mouvementé, ok? Mais attendez, vous allez voir que nos soeurs vont trouver le mariage, les bons mariages. Nos soeurs vont avoir des opportunités. Nos frères vont trouver le boulot. Mais oui, les grands pays offrent les opportunités. Quand le pays est développé, il y a les opportunités. Le Cameroun, il n'y a pas d'opportunités. Qui vient là-bas? Est-ce qu'on fait le tourisme? Mais allez au Kenya. Allez dans les pays comme le Kenya. Allez dans les pays comme l'Éthiopie. Hein? Allez dans les pays comme l'Éthiopie, Kenya. Tu vas voir tout genre de personnes. On te dit que les Denzel Washington étaient là-bas. On te dit que telle personne était là-bas. Les Schwarzenegger fut là-bas. Ils développent le pays. Ils vantent le pays. Mais même le simple avion, on n'a pas. Simple vol, on n'a pas. Même un seul vol. Vous, petit frère, il faut laisser ça. Petit frère, moi, j'encourage le voyage. Et si tu es au Cameroun là, sache quelque chose. Engage-toi en politique. Parce que tant qu'on ne libère pas notre pays là, ce n'est pas le ouais qui va libérer notre pays petit. Voilà pourquoi moi je suis engagé. Mais attends, le Cameroun est pourri. Mais oui, Vidal, Yann. Le Cameroun est pourri. Laissez ça. C'est la poubelle à ciel ouvert. Et personne ne veut rien dire. Comme si en disant que tu vas mourir. Attendez, mon ami. Chaque pays a ses grands-fils. Chaque pays a ses grands-enfants. Et je dis toujours que ce pays va mal aussi à cause de nous-mêmes. Si Samuel te poste une photo, en quelques secondes, il aura 500 000 likes. Si Francine Nganou met une photo, il aura 500 000 likes. Vous êtes courageux pour venir sur ma page. Que wow, grand femme Banga Diaspora, pourquoi tu n'as pas parlé de tel sujet? Mon ami, il n'y a aucun sujet sur la toile. Que si je vois, hein, qui peut enfreindre à l'image de mon pays, je ne parle pas. Et je suis au courant de tout. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer certaines choses. Comme Banga, il faut parler de ça. Parfois, j'en ai parlé depuis. Je n'ai peur d'aucun sujet. Je ne vois pas parce que je n'ai pas parlé au Cameroun que je ne dois pas parler dehors. J'ai tout parlé au Cameroun. Jusqu'on m'a arrêté, on m'a tapé jusqu'à aujourd'hui. Mais voici qui souffre comme ça là. Donc je ne vois pas parce que je ne dois pas parler. Je critique même et je réalise. Voilà la différence d'autres et moi. Je critique et je suis sur le terrain et je réalise des choses. Les populations acclament. Mais vous êtes là sur la page. J'ai vu un là qui vient me dire que
vraiment Banga Diaspora, il y a eu tel sujet, tu peux partir. Mais j'ai vu ton commentaire sur la page de monsieur Paul Biya. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Tu parlais poser la même question. Donc même les simples commentaires sur la page de la présidente de la République, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Vous êtes incapable de partir faire les commentaires sur la page du président de la République. Ça vous dépasse. Vous oubliez qu'ils lisent tout ça. Allez faire les commentaires là-bas. Faites les commentaires. Faites les commentaires. Si les commentaires ne dérangeaient pas, ce que la petite fille là, Brenda Mbia, c'est qu'elle ne désactive pas les commentaires. Elle désactive ses commentaires. Vous voyez faire les vidéos, elle désactive les commentaires. Parfois, comme sur son TikTok, elle désactive. Pourquoi? Parce que les commentaires, ça touche quelqu'un. Ça touche. Mais vous avez en face de vous les concernés. Au lieu de poser les questions. Mais c'est chez moi que vous êtes fort. Banga Diaspora, pourquoi tu ne parles pas de tel sujet? Youmami Pima. C'est pas toi qui m'as mené sur Facebook. C'est pas toi qui m'as mené sur Facebook. Je prends tout mon temps. Je suis un esprit. On ne contrôle pas un esprit. On harcèle pas un esprit. Je parle le moment venu quand je me sentis capable de parler. Je ne cours pas. Si c'est les vents, si c'est les ceux qui parlent du Mbrakata sur Facebook, qui parlent du piment, vous êtes nombreux. Tout ça, on vous connaît déjà. On remarque, non, on n'est pas nous. On a tous les mêmes personnes. Ailleurs, vous vous comportez comme des sauvages. Ailleurs, vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un. Apprends d'abord à quitter dans la sauvagerie. Si tu veux que le monde avance. Apprendre à être important. Être là où c'est utile. Tout à ici, là, tu ne mets pas le cœur. Mais ailleurs, là-bas, on va dire, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez les lettres. Ouh, sécurisez le direct. Tu es là, pom pom, tu portes, tu pousses. Oh, le sort, quoi. Le, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, on va parler. Mon ami, nous tous là, on va souffrir. Vous voulez le développement, vous mentez. Le pays, là, va rester dans la poubelle. Jusqu'à ce que tout le monde s'engage. On se bat seulement. Tu vas faire quoi? Que oh, le pays va. Qui vous croyez qui va changer le pays là? C'est nous ceux qui vont changer le pays là. On est seulement devant, hein. On encaisse les balles, on encaisse les balles perdues, hein. Mais ça, on ne peut rien changer, hein. Ouais, le changement là, c'est pour tout le monde. Chacun doit se lever. Voilà. Ça doit être collectif, la volonté collective. Voilà, c'est pas individuel. Voilà. Nous sommes là pour montrer que oui, on peut. C'est tout ce qu'on peut montrer là. Oui, on peut. Voilà. On t'arrête, on te torture, on te tape. Tu sors, tu parles. Même si on meurt, on vous montre que non. Si on pouvait faire tout ensemble. Si on pouvait s'engager ensemble. C'est un peu comme dans un foyer. Si tu as la volonté, ta femme n'a pas la volonté. Rien ne peut marcher. C'est ça, un pays. Si tu as la volonté, ta femme n'a pas la volonté. C'est toi qui es dehors qui travaille. Elle est à la maison. Tu rentres le soir. Tu te rends compte qu'un mois, elle ne peut pas normal. À l'heure normale, tu vas commencer à manger au restaurant. Et là, tu peux pas avancer, tu peux pas faire les économies. Tu peux avoir ton petit salaire de peut-être de 200 000. Et que tu as rationné pour le mois, tu rentres chez toi, tu n'as jamais à manger. Donc dorénavant, tu vas aller manger qu'au restaurant. Et c'est un manque à gagner. Ça fait une charge de plus. Et tu es obligé de rationner en tant qu'un être humain. Parce que les enfants vont manger. Parce qu'on ne rationne pas tout pour soi-même. On rationne aussi pour que les autres mangent, pour que les enfants mangent. Pour que ton petit frère qui habite chez toi mange. Pour que peut-être ta soeur qui habite chez toi. Pour que d'autres personnes mangent. Maintenant, si tu es une femme qui ne peut pas, ça veut dire que tu n'accompagnes pas. Tu vas avancer comment? C'est ça le Cameroun. Voilà. Voilà. L'indignation doit être collective. Mais quand vous croyez que non, c'est mon frère du village, comme voilà le monsieur de Martin Honlan, qui peut épouser une Bamileke? Attendez, est-ce qu'on a encore parlé de ça? Est-ce que tu peux parler de ça ici là? Regardez au Rwanda là-bas. Au Rwanda. Tu demandes un taximan que tu es doux, mais tu es. Mon ami, la direction qu'on t'amène, c'est au commissariat. Il y a des gens que tu demandes à un taximan. Tu es de quelle tribu? Mon ami, il y a des gens que la direction qu'on il va t'amener là, c'est dans un commissariat que tu vas te justifier. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On est là, on dit que non, nous sommes différents, nous ne sommes pas les frères. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Physiquement là, si tu me vois là, bon, tu peux dire que je suis de quelle tribu. Ne pas me voici dehors. Je pose, si on me pose une question, Kamo Ramana, where are you from? Je suis Camerounais, I'm from Cameroon. I'm from Cameroun. Oh, le temps de dire que je suis Boulou. Oh, le temps de dire que je suis Bamileke. Oh, le temps de dire que je suis Baranté, Bafoussam. Rien. Hmm?
voilà la patrouille. Voilà la patrouille. Voilà le pays. On fait la patrouille. Les gars sont équipés. Donc tu es content d'être dans un pays. Hein? Sur le highway, il y a la patrouille. Hein? Voilà comment notre frère est mort, Cabral Nyamton. Il est mort comme ça. Là, on ne connaît pas combien de minutes il a fait là-bas avant qu'on a découvert. Mais oui. Peut-être à l'instant T, s'il y a la patrouille. Hein? S'il y a la patrouille. Il devait venir voir qu'il y a un garçon qui est tombé, on pourrait sauver sa vie. Mon ami, même la vie au Cameroun, c'est le jambo. La vie en Afrique, c'est le jambo. Il faut laisser ça. On vous dit la vérité. C'est le jambo. Quelqu'un, personne ne peut me dire le contraire. Voilà. Je suis arrivé l'autre jour ici, là seulement. Là. J'avais un problème de gorge. Voilà, je suis parti. Pas, on m'a donné quelque chose. Ça a coupé. Terminé. Pas trop de trucs qu'on dit que wow, on va te donner, on va faire d'abord faire telle chose, tel examen. Mais dis donc, la vie au Cameroun, c'est le jambo. Le jambo. C'est le jambo, dis-moi. Le jambo. Mon frère, parfois nos parents meurent comme ça là parce que par négligence. Tu es dehors, tu te bats, tu envoies l'argent. Oh, vraiment, il faut que ma mère vive pour longtemps avant que je ne rentre. Je ne suis pas encore prêt à rentrer aujourd'hui. Tu appelles ta mère. Vraiment, maman, supporte, sois forte, je vais rentrer. Donc, parce que le souhait d'un homme à partir à un certain âge. C'est que le pire en arrivant que tu es là. Mais le cœur bat. Quand tu as ton parent qui a 70 ans, fais attention. Mais oui, quand tu as ton parent qui a 70 ans, fais attention. Fais attention. On peut t'appeler à tout que voilà, c'est parti. Et je suis désolé. Hein. Il y a beaucoup là. Tu es là, tu as là tes petits moyens. Tu as construit ta petite maison. Tu as ta petite famille que tu nourris. On te dit que ta mère est morte. Vraiment, je ne suis pas bon. Ah, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Ta mère meurt, tu n'es pas au deuil. Ton père meurt, tu n'es pas au deuil. Parce que tu attends quoi? Les papiers. On dit bien quoi? Les papiers. Dieu t'a tout donné. J'ai pitié de certaines personnes. Hein. Donc, ça dit, il y a des gens qui pensent que l'argent, c'est tout. Ils sont nombreux là. Non, gars, je n'ai même rien. Hein. Mon ami, tu as le billet d'avion, c'est bon pour toi. Vas-y. Vas-y, tu vas voir la suite après. Nieman. Tu vois quelqu'un là, il a garé la voiture au Cameroun. Sa mère ne vient pas. Son père meurt, ne vient pas. Vraiment, je n'ai pas encore les papiers, gars. Vraiment, ah bon. Tu n'auras jamais les papiers, là. Parce que tu auras même, ça n'a aucune valeur. C'est spirituel, c'est moi qui te parle, ça. Ting. Oh. Tu n'es pas un nouveau aventurier. C'est toi qui as ouvert, c'est combien d'années d'aventure. Ta mère meurt, tu ne viens pas au deuil. Ton père meurt, tu ne viens pas au deuil. Quel genre d'argent que tu cherches? Vraiment, c'est terrible, hein. Les maudits comme ça, là. Tout ça au nom de l'argent. Tu crois que tu es différent du dictateur qui est au pouvoir là? Lui-même, il s'accroche là-bas pour le pouvoir. Toi, tu veux impressionner qui? Tu veux impressionner qui? N'importe quoi. Tout dans les compétitions. Ils sont nombreux là partout là. Ils sont là, on les voit. On les voit là, on les voit. Mon ami, ma vie, non? Je suis mieux que beaucoup de personnes. Je me sens bien. Ah, mon ami, je me suis battu jusqu'à ce que je m'appelle de deux chambres dans le salon, mon frère. Pour ça, c'est moi, je suis heureux. Mais oui, pour ça, je suis heureux. N'importe quoi. Voilà, jusqu'à j'ai même. Attendez. Jusqu'à j'ai aussi acheté la Mercedes. Hey. Oh. J'ai acheté la Mercedes. Un Camerounais, pauvre de mon état. Quelqu'un qu'on a insulté, qui ne devait rien être dans sa vie. Mouna Fombanga, enfant têtu. Quelqu'un qui volait au champ. Comme tout enfant de Mbanga, enfant de la mobile, tous ceux qui. On a traversé les frontières d'abord, des plantations. Il n'y a pas un gars qui a fait la mobile. Qui n'a pas toi au champ. Nous tous on a toi au champ. Oui, tout le monde a toi au champ. Aujourd'hui, là, j'en ai dans l'avion. Voici dans le pays des autres, je conduis la voiture. Tu me dis que je suis malheureux. Je suis malheureux comment? La richesse aussi, c'est qu'on a vécu dans sa vie. C'est ça la richesse. Le pauvre est celui qui n'a même tout, qui n'a même vécu dans sa vie. Pour vous, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est quoi pour vous? Tu vas voir un ancien commis d'État, quelqu'un qui était gouverneur, quelqu'un qui était préfet, quelqu'un qui était ministre. Mon ami, en réalité, il n'a pas besoin de quelque chose. C'est ça, on dit un homme qui a vécu. Un haut commis d'État. C'est aussi ça la même chose que toi. À un moment de ta vie, tu as vécu tout ça. Tu as voyagé, tu as découvert le monde. Mais c'est une forme de richesse. Attendez. Il y a des gens qui ont les immeubles, qui n'ont jamais rien vu dans leur vie. Qui ne connaissent rien. Donc, tout, Iwanda seulement. C'est-à-dire, quelqu'un que si tu lui donnes le volant à gauche, là, il ne connaît pas lui conduit. Il s'égare. Quelqu'un que tu lui donnes une voiture automatique, il ne connaît pas. Mais tu vas voir quelqu'un t'insulte.
On ne sait pas pour qui tu bagarres. On ne sait pas ce que tu as besoin à la fin. Non, je n'ai encore rien. Je n'ai encore rien. Tu n'as rien. Le moment venu là, quand ça va vraiment chauffer sur toi là, tu vas voir. Le moment venu là, quand ça va chauffer sur toi là, et là tu vas comprendre que, les soubadjos aussi là qui habitaient chez moi là, la maison n'était pas finie là, hein. Mets ta jante d'abord. Mets ta jante d'abord. Je connais un grand frère à moi, père à son âme. Oh, vraiment. Oh. Oh. Je connais un grand frère, mon père, son homme, dans mon quartier. C'est un grand qui avait construit une grande maison. Toute sa vie, ce n'était que la maison là. Tout son argent, c'est une maison qui coûte au moins 400 bas. La maison coûte au moins 400 bétons. C'est un grand frère, lui là, c'est sa vie n'était que le luxe. Même quand c'était dur sur lui, oh, il pensait tout que sa maison là. Quand c'est devenu dur sur lui un moment, parce qu'il avait 4 enfants. Et la femme était au Cameroun, lui était en Bénin. Il était en France. Quand c'est devenu dur sur lui là, il est rentré au Cameroun. Il avait ses papiers. Hein. Il a dit que grand frère, ce que tu as été fait là, que tu loues à Bonapiso la grande, c'est les histoires. Va habiter dans ta maison. Ta maison est habitable. Il y a des gens dans le quartier. C'est l'un de mes voisins du quartier. Le grand là, quand c'est devenu dur sur lui, vrai là, est-ce qu'on lui a parlé? Est-ce qu'on lui a parlé? Il a donné un côté au Babana. Que continue à habiter. L'autre côté, il habitait dedans. Donc, c'est celui que j'ai compris que dans la vie, la vraie richesse, c'est d'abord ce que Dieu t'a donné. Utilise d'abord ce que Dieu t'a donné là. Et d'abord l'intention d'accepter ce que Dieu te donne. Je vous dis que le grand est parti habiter dans sa maison. Ça n'a pas fait 2 ans. Ça n'a pas fait 2 ans. Le grand a encore eu le travail. Il a encore eu le travail. Vous savez, à certains moments de la vie, quand tu vis à l'étranger, parfois tu es dépressif. Et voilà où j'encourage aussi certaines personnes. Hein. Nous, on n'a pas les mêmes moralités. Hein. Nous, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes sensations, en fait. Il y a des gens qui font 10 ans, hein, 20 ans sans rentrer au Cameroun, ils n'ont pas le problème. Hein. Ils sont heureux, ils ont le moral. Ça, c'est une grâce. Hein. C'est une grâce. Il y a des gens que 5 ans, là, ils commencent à déprimer. Hein. La dépression commence. Oh. Mais oui, pas qu'il a un problème au Cameroun. Mais c'est que c'est le pays qui le demande. Rentre. Il commence à déprimer seul. Tu vois, quelqu'un dépose son téléphone ici là. Il oublie. Il commence à chercher partout. Quelqu'un entre quelque part au milieu des Camerounais. Il oublie les clés de sa voiture. Il fouille partout alors que c'est sur lui. Mais c'est la déprime, non? C'est la déprime. Le grand a fini sa maison en quelque temps. Mais je suis sûr que la maladie a aggravé à cause de la pression qu'il avait auparavant. Donc évitez de dire que j'ai quoi. Même seulement le simple fait d'accepter ce que Dieu t'a donné là et tu l'utilises bien là. Mon ami, ça t'épargne de beaucoup de choses dans ta vie. Et quand les gens qui vivent comme s'ils vivaient pour les autres. Tu vis pour les autres, mon frère. Hein? Tu vis entre deux avions, tu dis que tu n'as rien. Ton père qui était le boss du village, il avait un jour voyagé. Mais vous pensez même quoi là? Mais attendez, mais tu veux montrer quoi? Attends, tu vas me parler quoi là? C'est pourquoi mes amis vont sur moi que mais pourquoi? Mon ami, je vendais mes jus de canne au Cameroun. Tu vas, tu viens, tu gardes tes trucs. Moi, te regarde. Mbanga, on se voit le soir, non? Oui, pas plaisir. Le soir, tu ne me verras pas. Je suis fatigué, mais je vais dormir, mon frère. Oh, oh. Moi aussi, j'ai eu ça, non? On se connaît, non? On a vécu la même vie. Tu vas encore venir m'impressionner sur quoi? Ah! Là, je ne suis pas aigri. Je te dis la vérité, gars. Enfin, on a trop bu ça. On a trop bu ça dehors. Bon, ça a donné quoi alors? Ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Donc, à un moment de la vie, là, il faut qu'on apprenne à se passer de certaines choses pour avancer. Mais oui, apprends à te passer de certaines choses pour avancer dans la vie. Sinon, on aura de la peine pour avancer. Voilà, regardez comment il est mal habillé. Regardez. Mon ami, ici, là, tu vois, chacun a son sac. Et je suis sûr qu'au Cameroun, là, au Cameroun, quand quelqu'un s'habille, au Cameroun, quand quelqu'un s'habille en veste, il met le sac, on se moque de lui. Mais Les peuples avancés qui travaillent, mon ami, chaque citoyen a son laptop. Et parce que vous êtes villageois chez vous. Tu vois, quelqu'un met la veste sur lui, il a serré le corps. Il dit que, mais attendez, c'est encore qui ici là même. C'est encore qui ici qui serre son corps comme ça là. Mais c'est lui qu'on parle à un patron comme ça là. Hein, comme Rigobert Song. Regardez, quelqu'un est responsable. Hein, même ses habillements là, normalement, on doit l'interdire ce genre d'habillement là.
Hein? Ici, là, tu vois un patron, quelqu'un qui gère 10 000 personnes. Un patron multimilliardaire. Il gère 20 000 personnes. Mon ami, il a son sac. Son sac là, son laptop. Son sac là, il a sa chaussure dedans. Sa chaussure de sport est derrière, la malle arrière. Il va rentrer aller faire le sport. Le monde de sa cour. Mais au Cameroun, là, si on te voit avec la cravate, la veste, avec le sac, on dit, mais regarde, il s'habille comme un villageois. Tu ne veux pas être encombré. Et c'est toi qui veux que le monde avance. À nos jours d'aujourd'hui, n'importe où on travaille. À nos jours d'aujourd'hui, n'importe où que tu es, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose. Les peuples qui avancent sont ceux-là qui n'ont pas le temps à perdre. Même devant une bière, chacun a son laptop. Même devant une bière, tout à l'heure là. Tout à l'heure, si je m'arrêtais quelque part dans un café là, c'est parce que pour le moment là, je suis en train de prendre certains médicaments. Hein? Tu vas t'arrêter là, tu vas voir tout le monde est devant son ordinateur. C'est les travailleurs. Le monde avance. Le monde avance. Il faut aller dans les services publics au Cameroun. Tout le monde a le gros ventre. Tout le monde est ballonné. Tout le monde est ballonné. Attendez, mais un peuple qui pèse va travailler comment? Hein? Tout le monde attend qu'il est 12 heures pour aller manger un plat. Tu vois quelqu'un manger un gros plat de nolet avec 4 plantains. Mon ami, tu vas travailler comment? C'est normal que les gens viennent devant toi. Tu es fatigué, tu fiasques, tu les chasses, tu travailles mal. Quand tu ne sers pas bien les Camerounais, le monde ne peut pas avancer. Bah, tu perds le temps. Tu dois te donner un bilan. À toi-même. Tu dois te lancer un défi à toi-même. Je dois recevoir tous les jours 200 personnes. Pendant une semaine. Je dois faire tout et tout. Je dois convaincre mon boss. Je dois convaincre mon boss. Mon boss, vraiment, il faut qu'on travaille. Tu pousses ton boss à travailler. Toi, le secrétaire. Toi, le secrétaire, tu dois pousser ton boss à travailler. Boss, vraiment, il y a encore les gens dehors, vraiment. Il y a les mamans là qui veulent le syndicat de propriété. Boss, vraiment, il faut signer. Tu flattes ton boss, Dieu va te bénir. Ne travaille pas pour les hommes. Travaille pour Dieu. Travaille pour le bien-être du Cameroun. Les êtres humains ne sont pas reconnaissants. Dis que oui, oh, tu es fou. Dis que oui, tu es fou. Assume que tu es bête. Tu vas voir comment tu seras béni dans ta vie. Même dans ta vie professionnelle. Même dans ta carrière. Parce que ce que tu fais là, l'homme est ingrat. L'homme s'en fout. Mais Dieu va te récompenser autrement. C'est ça la vie. Dès lors que les hommes te déçoivent, Dieu entre en action dans ta vie. Dieu observe. Hein? Quand tu n'es pas respecté, reconnaissant à ta juste valeur, subitement Dieu réagit. C'est comme ça la vie. N'attends rien des hommes. Ils vont venir là jouer un peu au petit malin. Tu vas avoir un enfant, tu l'adoptes. On a connu les frères adoptifs, non? Il a connu les frères adoptifs. Aujourd'hui, là, ils font quoi? Ils font autrement. Hein? Autrement. Qui peut venir apporter ma mère, dit que maman, alors l'hôpital fait un check-up. Chacun va venir dire que, mais Raoul a donné combien? Raoul a fait quoi? Attendez, quelqu'un qui a habité chez nous toute la vie. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas là où il y avait son père. On ne connaissait pas là où il y avait sa mère. On ne connaissait pas s'il avait ses frères. Aujourd'hui, il parle de ses frères. L'homme est ingrat, en fait. L'homme est ingrat. Travaille bien. Pourquoi il m'a décidé de servir les gens? C'est tout. Voilà. Nous tous on connaît le jonglage. Hein? Nous tous on connaît le jonglage. Mais c'est celui qui demeure et continue dans le jonglage qui est ignorant. Voilà. Voilà. C'est celui qui continue dans ça. Il est temps pour chacun de devenir honnête. Pour qu'on construise un pays normal. Parce que c'est honteux que les parents dans un pays, les ministres, nos commis d'État sont tous en prison. C'est moche à voir. On va beau dire que tel ministre est en prison. C'est un Camerounais qui est en prison. C'est le père de quelqu'un. Vous croyez que le fils de Mbengon qui est sous-préfet est content? Vous croyez qu'il est content? Il n'est pas content. Mais oui, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content qu'il ait son père soit en prison. Tu crois qu'il dort bien quand son père est en prison avec sa mère? Voilà un gars qui est sous-préfet. Son père et sa mère sont en prison. Pourquoi? Pour vol. Attends, c'est normal. Vous croyez que l'enfant a pas bien travaillé? Il est frustré. Il est frustré. C'est dans un pays normal là. Normalement là, il doit subir une queue de trucs. Mais oui. Hein? Tout le monde est en prison. Hein? Tout le monde est en prison. Ah, c'est compliqué quand même, vraiment. Il a parlé de ça, monsieur Doumba. Vous venez toujours avec des trucs qui n'ont pas de sens. Il a parlé de ça depuis. Ah, on peut pas avancer comme ça, la mentalité pareille.
Tu vas à midi, chacun se concentre pour manger un gros plat de ndolé. Bois trois bières. C'est moche à voir. Tu vois un fonctionnaire là, la joue est gonflée. Le cou est comme ça, mais il faut qu'on vous dise que c'est moche. Un fonctionnaire ne doit pas être rond. Voilà, tu peux être dans un bureau public, tu es rond. Tu dois être fini, tu dois être éloquent. Tu dois avoir le réflexe d'un fonctionnaire, d'un homme leste, d'un homme qui travaille. Alors, quand vous êtes plein, vous croyez que c'est beau à voir? Non, c'est moche à voir. Voilà, ça, c'est pourquoi le Cameroun n'avance plus. Non, le Cameroun n'avance plus. Tu vois un gars, tu sens qu'il a tellement détourné l'argent. Il est là plein, plein. Il croit que c'est beau à voir. C'est moche. Alors, tu vois un gars serrer le costume sur son ventre. Ou bien il est tombé, ou bien il se sent même comment. Hein? C'est moche à voir, dis donc. C'est moche. Venez ici voir le patron. On dit que tant de l'Asie du Sud-Est, c'est lui qui est patron. Faut le voir. Faut le voir comment le gars est fini. On dit que le gars, j'ai un budget de 5 milliards de dollars. Et de 5 milliards de dollars. Le gars est fini. Dans une société que le patron a l'avion. Ils ont l'hélicoptère. Mais il faut voir comment le gars est fini. Regardez les Mark Zuckerberg. Regardez les Mark Zuckerberg. Et comment les gars sont finis. Alors. N'importe quoi. En fait, ce pays a à refaire, c'est tout. Les mentalités là, il faut que ça change. Ça ne vaut pas la peine. C'est trop lent. Tout est lent dans notre pays. Pour signer un simple document, c'est lent. Il y a une banque là. Tu pars là-bas. La manière que la femme là se comporte, là-bas, Bonamou ça a dit. La manière qu'elle se comporte, elle ressemble à sa corpulence. Et que le corps pèse. Tu la trouves là. Le corps pèse. Elle est au téléphone. J'ai toujours dit que je vais dénoncer la femme là un jour. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais la manière que m'énerve, il a dit que ah, celle-ci, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Demain, quand tu vas crier sur elle, on va dire que wow, tu es méchant. Wow, mais elle oublie la peine qu'elle fait aux gens. Hein? Tu parles pour un petit service. On te perd le temps si bien que c'est son collègue qui vient dire que mais il faut appeler, non? Le monsieur là depuis 2 heures de temps. Il faut appeler. Le monsieur prend au téléphone, il appelle. Tac, on a décanté ta situation. Les Israéliens sont à la plainte. Non, j'ai envoyé l'email. Hein. J'ai envoyé le message. Pardon, veuillez attendre. Faut la voir. Elle mange au bureau. Dis donc. Pays à refaire. Pays à refaire. Arrête ça. Ça fait pitié, franchement. Ça souille l'Afrique, hein. Ça souille l'Afrique. Tu pars à l'aéroport, tu veux voyager. Mais patron, tu me donnes rien, tu me laisses rien. Tu me laisses comme ça. Toujours dans le faux. Tu me laisses comme ça. Mais si tu me vois, je n'ai pas le carnet de vaccination. Tu vas me vacciner vrai. Tu vas me prélever comme si je suis un inconnu. Moi, je rentre dans mon pays, il me faut le carnet de vaccination. Mais l'étranger va venir choco. Il va passer. Il faut laisser ça, dis donc. Voilà. Dans un pays où, vraiment, on prie seulement. C'est tout. Avec la lune, là, on aura même pour 100 ans. Ah non, avec la lune, non, ça va pas la peine. Ça vaut pas la peine. Tu vois une jolie fille dans un bureau, la manière qu'elle se comporte, elle oublie que là-bas c'est l'opportunité pour elle d'avoir sa part de gars. Ma chérie, c'est bien les gens, non? Tu sais pas que là-bas seulement, quand tu es dans un bureau public là, la chance c'est d'être dans un espace public où les gens viennent chaque jour et que tu les rends bien service. Mon ami, tu ne dois manquer de rien dans ta vie. Tu ne dois rien manquer de rien dans ta vie. J'allais vendre les cannes à sucre à Bonanjo, ces derniers temps-ci là. Mais chaque temps quand je rentrais, je voyais certains gens en route. Un jour, je te posais la question peut-être à 10 personnes, 2. Et qu'il dit, hein, dis-moi un peu là, ça fait combien d'années que vous travaillez ici là, dans le bureau public ici là? Et que ça fait, l'autre me dit, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Mais attendez, mais je vous vois là, vous stoppez la voiture pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Attendez. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il me dit que pourquoi? Et que mais ça veut dire que vous travaillez mal. Ils ont dit, dis-nous. Et que mais il est normal que vous restez là. Ça veut dire qu'il n'y a même personne qui vous connaît.
Un jour, je suis allé rendre visite à un ami à Bonanjo. Un ami qui vit à Bonanjo. En rentrant, je suis passé par là-bas. Les mêmes gens qui me voient le pick-up, je garde la Mercedes. Il dit bonsoir. Ah, c'est comment? Chance pour moi ce jour-là. J'ai vu quatre personnes. C'est comme ça que j'ai porté les quatre personnes. Il a dit, monsieur, on peut aller? Il dit, ah oui, vous partez par où, monsieur? Il dit, non, non, patron, papa. Il dit, mais vous m'appelez patron comment? C'est moi, le monsieur qui vend les jus de canne là. Donc tu as la Mercedes. C'est comme ça que je les ai portés. J'ai dit, bon, voilà ce que vous avez dit l'autre jour. En réalité, quelqu'un qui a travaillé quelque part pendant 10 ans, un milieu où à chaque instant, il y a au moins 200 personnes. Mais il est normal que vous faites l'autostop. Ok? Il est normal que vous faites l'autostop pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Personne ne garde pour vous dire que, s'il vous plaît, veuillez entre là, je vous accompagne. Mais oui! Sauf si tu refuses. Si vous faites l'autostop, ça veut dire que, vrai, vous ne marquez pas les gens positivement là-bas. Mais c'est vrai! Quand tu marques les gens positivement, on te remarque, tu n'as pas le temps à perdre. Mais c'est vrai! Et l'un de m'a donné raison une fois. Mais oui! L'un de m'a donné raison. Quand tu travailles dans un milieu public, pendant 10 ans, 5 ans, les espaces comme le tribunal, hein? Si tu as bien travaillé, attendez, tu penses que tu peux avoir un problème? Si tu as bien travaillé dans un commissariat, tu as bien servi les usagers, mon ami, tu peux pas souffrir dans ta vie. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas te cacher. Hein? Et quand tu travailles bien, on va tout. Pas la peine. Moi, j'ai trop pitié. Non, j'ai pitié des jeunes. Tu vois une jeune fille dans un espace public. Est-ce qu'on fournit le camp? Ah, le présent Maurice Kamto, il est en train de faire quoi? Il a fait le live quand? Il est en train de faire le live maintenant là? Ah, moi je ne connaissais pas. Il n'a eu même pas de lit là. Président élu, Excellence Maurice Kamto. L'unique solution. Ouais. Vive le président Maurice Kamto, bien sûr. Ah, bien sûr. Non, notre pays à refaire, franchement. Notre pays à refaire. Tu parles, on t'arrête, on te tape. C'est terrible. Tu parles, on t'arrête, on te tape, on te torture. Pour rien. Donc, je comprends qu'avec le temps, ça dit que c'était à refaire parce que ça ne servait à rien de tuer les Oumniobé, les Félix Moumier. Mais oui, ça ne servait à rien de les tuer. Ça ne sert à rien de tuer les enfants du pays. Parce que tu peux me tuer. Là, je suis comme ça, là, je suis prêt à mourir. Ma bouche va que sortir. Parce que c'est la seule arme que moi j'ai. C'est clair. Il dit que ma bouche va que sortir. C'est la seule arme que moi j'ai. C'est comme ça. Je me tais comment? Je vais dire quoi à mes enfants demain? Au moins, mes enfants vont avoir pour souvenir mes vidéos que notre père a combattu quand même. Voilà, si les choses changeaient, c'est au moins on travaille. Au moins, ils vont comprendre, les pères n'étaient pas lâches. Les pères s'est battu pour que si le Cameroun change bien. Au moins, il faut faire partie des acteurs. C'est ça le problème. Que de rester là, tu accouches les enfants. Ah, continue alors. D'autres pensent qu'ils sont épargnés parce qu'ils ont envoyé les enfants en Europe. Avec l'alu ici là, avec l'éveil de l'Afrique là, le moment viendra. J'ai écouté le discours d'Éric Zemmour. Que bon, ils ont dit qu'ils ne veulent plus de nous. Ok. Eux aussi, on ne les veut plus chez nous. Et il n'a que raison. Dans le temps viendra, vous qui croyez que vous êtes épargnés là, le temps viendra là. Ils vont refaire la constitution chez eux. Mais oui. Ils vont refaire la constitution chez eux. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt. Les intérêts sont déjà réduits. Ils vont prendre l'argent pour continuer à entretenir le social. Ils vont faire comment? Les services sociaux qui coûtent cher là, ils vont faire comment? Payer les gens qui ne travaillent pas, c'est facile. C'est facile. Donc le temps va venir que chacun va rentrer chez lui. C'est clair. Et c'est normal. Donc c'est pour ça que moi je bagarre. Parce que j'ai la vue, j'ai la vision. Je suis sûr que bientôt là, vous allez voir, non?
Vous allez voir. Vous allez voir. Ah. Quand les gens deviennent wise. quand les gens deviennent wise. L'Afrique devient wise. Les chefs d'État ont la pression. Voilà. Les chefs d'État ont derrière la pression. Ils ont choisi soit leur bourreau, soit soit leur mentor, l'Occident. Ok? Soit le peuple. Donc c'est un problème. Ils sont face à un dilemme. Ok? Voilà. Voilà. Ils sont face à quelque chose que ça dépasse leur entendement. Voilà. Donc ils doivent rendre compte. Aujourd'hui, chacun a peur. Et la pression qu'on est en train de mettre là, même l'armée est aux aguets. Même l'armée est aux aguets. Ouais. Même l'armée est aux aguets. Tout le monde te guette. Tu guettes le peuple. L'armée te guette aussi. Tu dis les mauvaises intentions. Peut-être on exécute. Mais après toi-même, bam, on te dépose. C'est comme ça se passe maintenant là. Mais oui, c'est comme ça. Dans la jeunesse, mettons la pression. La pression est bonne pourquoi? La pression pousse les gens à commettre l'erreur. Et ça affiche les bourreaux. C'est ça la pression. On doit mettre la pression. Quand on arrête ça, on torture. C'est non, il a mis la pression. On arrête Banga Diaspora, c'est bien, c'est la pression. Ils parlent, ça fait mal. On les arrête, on torture. C'est bien, on affiche le système. Entre eux, ils discutent là-bas. Après, l'autre va dire non, c'est pas moi. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. C'est comme ça. La pression est bien. La pression, c'est une bonne chose. La pression pousse l'adversaire à commettre l'erreur. Et c'est la seule chose qu'on a. Et notre haine, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce qu'on a l'outil de communication. C'est la puissance, c'est le quatrième pouvoir. Tu t'assois, tu balances, bim, les gens partagent. Ça change les mentalités. Ça change les mentalités. À l'époque, on soulevait nos artistes en haut. Après, ils arrivent, on les copte, ils commencent à partir faire les concerts à la présidence, ils commencent à narguer les gens. À nos jours d'aujourd'hui, même les artistes ont les problèmes. Il faut dire la vérité. Les journalistes sont d'ailleurs jaloux. Les artistes sont jaloux des blogueurs, des influenceurs, des activistes. Il y a les activistes, les blogueurs, les influenceurs qui ont l'audience plus que les artistes. Mais oui. Oui. Mon ami, laisse les affaires là. Laisse le moment venu là. L'Occident, attends, même le visa, ils vont plus vous donner. Attendez, qui t'a dit que l'immigration légale comment? Il y a les gens qui partent avec le visa. Mais qui arrivent là, qui sont incompétents. Immigration comment? Le temps viendra. Quand ils n'auront plus d'intérêt ici, là, ils vont se préférer. Pour le moment, là, c'est les miettes. C'est ce qui sort de l'Afrique. Ça veut dire ça qu'on nous nourrit là-bas, on nourrit tout le monde. Et comme tu es sur le territoire français, tu profites. Mais le temps viendra, quand ils n'auront plus rien, ils vont faire quoi? Pourquoi l'Italie n'accueille pas comme la France? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que quand la France vole, elle partage à certains pays, elle prend la plus grande partie. Oui, la plus grande partie, elle prend. Donc c'est pour dire quoi? Toi tu prends la plus grande partie, c'est normal qu'on doit ouvrir les frontières, monsieur les émigrés, allez là où vous devez quelque chose. Allez là où vous avez droit. Mais c'est ça. Et ça manque, ça ne manque pas. C'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. Tu as un papa, les enfants habitent chez toi. Hein, tu portes tes enfants, tu vas confier chez ton petit frère. Ton petit frère, au départ, peut-être le petit moyen, il est conscient, il s'occupe de tes enfants, tout et tout. Mais à un moment de la vie, il se rend compte que tu n'en vois même pas un plantain. Tu n'en vois rien. Mais monsieur, il va dire à tes enfants de rentrer chez votre vrai père. Parce que moi ici là, je vais m'étrangler. Je n'en peux plus. Vous croyez que quoi là? C'est pas une affaire d'immigration choisie. C'est l'équilibre. Il faut montrer aux yeux de ton client, de ton mougou, qu'au moins je participe avec toi. Voilà, vous voyez, non? J'accueille. J'accueille plus que les autres. Mais oui. Regardez bien. La France donne beaucoup d'ouverture même aux choses qui viennent de l'Afrique. Mon ami, moi voici ici là, non? Si j'envoie 5 bagages, 5 paquets en Italie, les 5 n'entrent pas. Mais envoie n'importe quoi en France, va qu'entrer seulement. Va qu'entrer. Ils vous laissent cette latitude là, cette faveur là, parce que quelque part,
elle pille chez vous. C'est normal. Regardez bien les autres pays occidentaux là, qui se comportent comme la France, qui se comportent un peu comme le bon maître, et qui est comme celui qui est trop accueillant. Mais c'est parce qu'ils mangent plus que les autres. C'est normal. Les autres ont le droit d'être dans les coins. Dis que monsieur, mais dis donc, tu termines, on te met dans l'avion, on te rapatrie. Mais oui. La France a cette attitude flatteuse. Elle flatte. Et elle n'a que raison. Parce qu'elle mange. Si elle devient due aussi, ça veut dire qu'elle n'aura plus de contrat en Afrique. Elle ne peut pas prendre par la force. C'est normal, tu es obligé de tendre ta main. Pourquoi ce n'est pas un Italien qui lutte pour avoir les ports de l'Afrique? Pourquoi? Pourquoi les Italiens ne se bagarrent pas aussi? Pourquoi les Allemands ne se bagarrent pas? Elles vont, elles font la prestation. Ce que vous les donnez, elles prennent. Mais le chef d'État ne se déplace pas pour dire que non, je vais aller faire gagner les marchés de mes hommes d'affaires. Voilà, je vais venir imposer Bolloré. Je vais. Non. Donc c'est pour dire que le temps viendra. Laissez-moi ce que vous en avez parlé là. Même l'immigration légale, il n'y aura pas. L'immigration choisie, il n'y aura pas. Préparons-nous déjà là. C'est comme ça. Même à l'époque, quand les Hollandais, on les a chassés de l'Indonésie. Mon ami, on a fait rentrer beaucoup d'Indonésiens qui étaient en Hollande aussi. Il y a même une ville là-bas. J'ai oublié le nom de la ville en Hollande. C'est presque les Indonésiens qui sont là-bas métissés. Mais oui, c'est comme ça. Le jour, l'Afrique, et c'est le temps de l'Afrique, c'est notre génération, cette fois-ci là. C'est notre tour. Et ça ne doit pas nous échapper. Donc on va travailler si bien que nos enfants vont seulement venir prendre. C'est-à-dire qu'on va travailler si bien que nos enfants vont seulement venir prendre. Ça, c'est déjà pris. Tout le monde a peur, non? À l'époque, est-ce qu'un chef d'État pouvait te gérer? À l'époque, est-ce qu'un ministre pouvait te gérer? Tu devais commencer par où? Sauf, ils nous montrent les programmes qu'eux, ils veulent. La CIA TV nous montre ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a la compétition. Les temps sont révolus. C'est clair, il faut qu'on dise la vérité à chacun. Les temps sont révolus. Et c'est clair. C'est notre époque. On a la chance. Donc il faut seulement qu'on soit prêt. Cultivons nos mémoires. La diaspora, tu es à l'extérieur. Tu partages quelques. Ne rentre pas seulement, tu pars en boîte de nuit. Le temps est dépassé. Soyons prêts. Formons nos enfants. Formons nos petits frères. Éduquons nos mamans. On ne connaît pas tout. On peut être âgé, on ne connaît rien. Formons nos enfants, éduquons nos enfants à être prêts pour le moment venu. C'est comme ça. Par le temps viendra, ils vont dire que, surtout la France là, pardon, excusez-nous, que chacun rentre chez lui. Mais c'est comme ça. Que chacun rentre chez lui. Donc, si vous croyez que vous êtes là, sauvé là, faites attention. Vous avez encore longue plainte. La route est trop longue. La route est trop. Personne n'est sauvé. Voilà. C'est pas refini. Tant que c'est pas fini. Voilà. C'est pas refini. Tant que c'est pas fini. Voilà. Mon porte-monnaie ici. Donc, c'est vous qui en avez. Pourquoi que. Non, c'est fini. C'est pas refini. Rien n'est encore fini. Voilà. La France joue ses derniers moments. Voilà. Et je n'en veux pas la France. Hein. J'en veux nos dirigeants là. Parce que c'est nos dirigeants qui est le problème. Voilà, c'est nos dirigeants. Ils signent des contrats, tout et tout, pour qu'on les protège. Il faut qu'on montre que non. La vraie démocratie, là, ce sera avec le peuple. Ah non, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé. Qui est sauvé? Personne. Personne n'est sauvé. Donc, je vais vous laisser. Alors. Bonsoir à tout le monde. Non, les gens pensent qu'ils sont sauvés. Personne n'est sauvé.
Mais c'est eux, non? Ils ont rangé. Et on pense que qui est sauvé? Personne n'est sauvé. Personne n'est épargné même. Voilà. On crie seulement, on court dans le sac. Mon ami, l'indignation doit être collective. Hi. How are you? Fine, thank you. Lobby? You okay? Aku itu berharap kalau gini, ya itu yang lain ngasih ke kita gitu loh, termasuk yang Pak kontraktor tadi gitu loh. Udah Pak, coba Pak kontraktor bilang, udah Pak, ini saya kasih semua deh, termasuk utang saya. Oh, aku itu.